Pendant que les autres se sont réveillés pour se rendre à Kinkole pour manger de Maboke, mais toi tu as choisi la bonne part. D'être dans la présence de celui qui t'a créé. Lorsque nous sommes reconnaissants envers ce Dieu-là, dans notre vie. Il n'y a pas une grande chose que la reconnaissance. La vie que nous avons, les mouvements que nous faisons, l'être que Dieu nous a donné, nous n'avions rien donné. Cela s'appelle la grâce. Nous n'avions pas mérité. C'est pourquoi quelqu'un qui est intelligent doit commencer sa journée avec Dieu. C'est une façon de flatter Dieu pour lui dire continue à me faire du bien, continue à me protéger, continue encore à m'ajouter la longévité. Alors pour tous ceux qui sont venus ce matin, acclamons très fort pour le roi. Job chapitre 4, lecteur va ouvrir 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17 à 18. On le lit en français, suivi de celui de Lingala. Je dis Job chapitre 14, le verset 1. Job chapitre 14, le verset 1. Le deuxième passage, c'est celui de 2 Corinthiens, chapitre 5, le verset 17 à 18. On le lit au nom de Jésus. La femme, sa vie est courte, sans cesse agitée. Deuxième passage, il naît. Il est coupé comme une fleur, il fuit et disparaît comme l'ombre. Deuxième passage. Je dis 2 Corinthiens, chapitre 5, le verset 17 à 18. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Le verset 18. Tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le mystère des réconciliations. Alléluia. Tout cela vient de Dieu et nous a réconciliés avec lui par Christ. Le fait d'être en Christ. Amen, amen. Amen. Amen.
mele pana yo. Akone kela mwasika. Nazota la bomo inangai. Nazota la bomo inangai. Nyoso kaka ya kala. Nyoso kaka ya kala. Ba malade ya fami. Ba malade ya fami. Ututu ya fami. Ututu ya fami. Lie ya fami. Lie ya fami. Aya we. Ewe. Wapi makambo wa sika na vina ngai. Wapi makambo wa sika na vina ngai. Tongwa lelo. Tongwa lelo. Simi mpanga lelo bana yo. Simi mpanga lelo bana yo. Yosweza makela. Yosweza makela. Tutu tulisuma. Tutu lisuma. Malchance les babes, malchance les babes. Où est la botata? Où est la botata? Où est la bomama? Où est la bomama? Où est la musissa? Où est la musissa? Les locataires na Yesu, les locataires na Yesu. Ekuya, ekuya. Epanzana, epanzana. Anako panzana, anako panzana. Bébé si, na koi si. Nyonso les babes les suma. Où est la botata? Où est la bomama? Tu viens d'où? Oh, on s'en a eu à Zaïka.
simanda ko le na ngata muibi nyoso lokuta nde lokuna ya libo ay soki omoni mwana to mwa sito mobali lokuta le moninga muibi haleluya oh petit nagaza ke simanda zoni sur la gêne ah écoute yo moninga fufu yo moninga la pala wewa haleluya tango yo zozo ba dilo moni mwana mayo mwana ya petit na bana ko suba. Excellent. D'aller frapper les pierres, la richesse entre les mains des gens. Et ça peut être un Seigneur là que nous avons reçu. Vous êtes le Nabato. Il dit maintenant à Géasi. La lèpre qui était sur Naaman s'attachera à toi et à toute ta descendance. Ma question est celle-ci. La descendance de Géasi. Quand elle fait du mal pour hériter la lèpre. Dans le monde éternel, le nom de Jésus est pas mon abisso.
Tu as été fait.
fabriquer de la poussière, tu retourneras la poussière. Là, c'est l'entrée de la mort. Mais Dieu a créé l'homme. Tu ne peux pas destiner à la mort. Il avait destiné à être un homme qui vivait éternellement. Il dit à l'homme, parce que tu as écouté la voix de ta femme, c'est dans la joie de ton front que toi tu mangeras. Avant que l'homme ne pêche, l'homme ne devait pas transpirer pour manger. Maintenant, il y a assis à mon place de Tabazoto. Écoute comment la malédiction est entrée. Il ne se limite pas là-bas. Il dit ceci. Cette terre qui t'a donné la semence avec facilité. Parce que tu as écouté la voix du serpent. Elle te produira des épines. À notre terre, la terre a été maudite. À cause de la désobéissance de l'homme. La souffrance est entrée. À cause de la désobéissance de l'homme. La mort est entrée. À cause de la désobéissance de l'homme. À la voix de son créateur. Cette malédiction que nous avions héritée de nos parents, Adam et Eve, n'étaient pas ainsi au commencement. Car au commencement, Dieu nous créa à son image et à sa ressemblance. Pour que nous vivions éternellement. Pour que nous vivions dans l'abondance. Pour que nous vivions en bonne santé. Mais là, qui a eu désobéissance? La malédiction est entrée. L'homme pour manger, il doit s'y ouer. La femme pour mettre au monde, il doit mettre au monde avec douleur. Mais ce n'était pas ainsi au commencement. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'attend? Amen. Maintenant, comment Job doit conclure? Job a dit que mon toit a beau tabi dans moi. Bon, moi, il y a un peu de temps. Et ton disabil a mis un peu de temps. Le lot, bon, moi, il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Le lot, il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Bon, moi, il y a un peu de temps. Bon, il y a un peu de temps. Et ça, nous avons un peu de temps. Mais ma passe, il y a un peu de temps. Et ça, nous avons un peu de temps. Appelé l'homme de douleur habitué à la souffrance. Toi, tu ne dois pas t'habituer à la souffrance. Tu ne peux pas t'habituer aux douleurs. Tu es un substitut. Tu es un substitut.